Ce 24 juillet, ici à Roubaix, où il a fait 42 degrés, c'était ma première canicule aussi intense. Les experts nous disent que d'ici 10 ans, les canicules pourraient monter à 50 degrés. À 40 degrés, je suffoquais déjà. J'étais essoufflée. Personne dans les rues. Impression d'être dans un four. Impossible de dormir la nuit. Notre terre s'emballe. C'est une cocotte minute. Chacun, chacune peut inverser la tendance. Donc rejoins-nous, rassemblons-nous ici à Roubaix comme ailleurs pour faire bouger les choses, inverser la tendance et faire agir nos hommes politiques.